ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah Rabbul Alamin, celui qui passe par vers nous bénit, pour nous apprendre concernant grandeur et valeur de ce grand mois qu'appelle les mois de Ramadan. Les mois de Ramadan, c'est ce même mois qui nous capable de dire et non beaucoup valeur parmi les mois dans un calendrier islamique, qu'Allah Rabbul Alamin lui descend sa bénédiction dans ce mois-là. Une quantité qui n'est pas descendue d'avant les autres mois. Et ce mois-là, ce n'est pas un mois que la communauté musulmane, les autres qui finissent choisir pour donner valeur. Ce n'est pas aucune autorité musulmane qui finit donner valeur. Mais c'est créateur des bons mois et des bons jours, c'est lui qui finit donner ce mois-là, sa grandeur-là, sa valeur-là. Nous étant un esclave, Allah Rabbul Alamin, définitivement, quand nous connaissons la valeur de Ramadan, ça peut aider nous pour nous plus donner ce mérite, nous plus donner ce droit. Beaucoup de musulmans ne sont pas besoin avec les mois de Ramadan. Mais est-ce que vraiment, les musulmans, je connais ce grandeur et je vais donner ce valeur qu'il méritait? Alors, Inch'Allah, avec cet exposé-là, quand nous pouvons expliquer concernant. Grandeur et valeur, qu'Allah Rabbul Alamin l'idifine donne à ce mois qu'appelle les mois de Ramadan, n'espérez qu'il s'avine un rappel pour celui qui peut causer en premier, celui qui peut écouter, afin qu'il nous plie d'une valeur ce mois-là et nous donne ce mérite qu'il méritait. Avant même les mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y annonce nous une très bonne nouvelle. Rasul sallallahu alayhi wa sallam li dit fi laylatin nisf min sha'ban yaghfiru Allahu azza wa jal li ahli al-ard illa al-mushrik wa al-mushahin. Dans la nuit des 15e nuit de Sha'ban, dans cette nuit là Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne tout ban habitant la terre, excepté ban mushrik, ban qui commet shirk avec Allah, et ban qui n'a dégoût pour votre frère, Quinze jours avant les mois de Ramadan. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ça fait une coïncidence, nous, 15e nuit de Sha'ban. Dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui verse un grand faveur à nous. Qui ça faveur là? Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous, nous van péché. N'importe qui ça là, qui lui fait un shirk dans lui, n'importe qui ça là, qui se l'équerre propre, pur, peinant, aucun l'ennemité, dégoût pour ce frère, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa nuit là, lui peut disposer pour pardonner tout ce van péché. Comme une préparation pour les mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala finit purifier ce bon esclave. Reste 15 jours, Jumunla dit garder un peu Rosan, si tu peux les avoir gardés dans le commencement, Sha'ban, dit jeûne avec les mois de Ramadan, avec un équerre rempli avec iman et taqwa. De ça, valeur, qui s'en moi-là et non, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même. Moi là vini, les finis commence à purifier nous. Imaginez si avant moi là vini Allah purifier nous, quand moi là vini qu'avec. Ni normal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit
الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رسول صلى الله عليه وسلم لجيه الصلوات الخمس سنك نماز فراز كي بكو مسلمان أوكو تيك تيكي بوفي ألالا سنك نماز فراز qu'Allah Rabbu Amin fait obligatoire tous les jours. Tant qu'il n'a encore un raisonnement dans sa dunya là, nous devons continuer à faire 5 fois la masse par jour. Ce n'est pas juste dans le jour du Jumba, là nous faisons la masse jusqu'à Ramzan, mais nous faisons 5 fois la masse. Non. Sa namaza, 5 fois par jour, obligatoire. Et en même temps, sa 5 fois la masse par Azza, Allah Rabbu Amin. Li pardonne nous en chaque namaz. Ou fini faire namaz au har, ou à l'oulakaz. Pese qui vous fait, man ti pese qui vous fait, en zohar avec asar, comment vous faites namaz asar, Allah pardonne man ti pese là. Ou bien marib, man ti pese qui vous fait en asar et marib, Allah pardonne sa man pese là. Ou bien esha, tout man ti pese qui vous fait en marib avec esha, Allah rabbi amin, li pardonne sa man pese là. Namaz Fajr, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala va t'y passer. Nous redire, t'y passer, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner. Qui fait? Parce que dans la finition de sa hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand sa djimoun là, il reçoit depuis un grand péché. C'est 5 fois salat, faraz, par jour, qui fait entre un djumma, jusqu'à le djumma. Il y en a d'autres qui sont là tout le djumma, ça aussi est très important, et ça joue le djumma là aussi, il y a un jour qui est plus meilleur jour dans. Tout bonne semaine, meilleur jour c'est vendredi, ou jeune en Jumma, ça aussi il y a un moyen qu'Allah Rabbu Amin dit pardonne nous. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, wa Ramadan, il a Ramadan. Prends depuis Ramzan passé, si nous jeûnons avec Ramzan, et nous jeûnons doit qu'Allah Rabbu Amin dit fait nous tous jeûnons avec les mois de Ramadan. Comment Ramadan rentre? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut disposer là. Pardonne tout le monde, je m'en pèse que je ne fais si je t'abstenir depuis mon grand péché. Qu'a fait le grand péché? Grand péché, c'est tout mon péché qui est dans ma punition réservée là. Ma menace, qu'il soit dans la dunya, dans le kabar ou bien dans l'akhirat. Ou bien mon péché qui a une malédiction à Allah, ou bien malédiction à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien malédiction de mon ange. Ça appelle un grand péché. Alors, quand un péché dit grand, sa punition aussi dit plus sévère. Sinon, connais qui, tout un petit péché qui fait un lit continuel, ça aussi dit compte dans un grand péché. Saint-Dimon, il n'est pas obligé faire un grand péché comme un chir, comme un zina, comme un l'intérêt, comme un faire ribat, il n'est pas là-dedans. Alhamdulillah. Mais c'est bon. Un coup comme ça, il écoute un petit la musique, un petit santé. Un coup comme ça, il fume un petit cigarette. Il y a du monde qui pensait qu'il y avait, mais moi, je ne veux pas d'avoir un grand PC. Si un petit monde, dans son avis, un coup d'une fumée, il fait un petit PC. Mais pas un petit monde qui fume, un coup, dans son avis, qui fume, par jour même, combien de fois il fume. Il me dit, en bas, ça dit Allah, les dieux peinent un petit PC avec continuité. C'est une question qui vous fait continuellement. Il dit qu'il y a un petit lit. Mais c'est moi qui vous fait continuel. Il n'est plus petit petit, il vit une grande. Alors là, connaît qui tout un petit PC qui nous l'a habitué à faire là. Pas mais qu'on se qu'il y a une goutte traversée dans le tombe là-dedans. Un PC qui nous a habitué à faire un petit PC là. Bizet finit arrêté à celle-là même. Parce qu'il n'est plus petit pour. En général, il est petit. Mais pour, à cause de faire continuellement, il n'est plus petit. Alors, en bas Ramadan, il est là, où des voix finies, commencent, restreint, abstenir depuis sa main de PC. Les bons qui nous attirent l'attention, l'eau, un PC qui beaucoup de monde ne prend pas compte. C'est qui, tout bon l'eau, qu'Allah Rabbu Amin fin de nous, et qui ne peut pas faire. Et là, du monde quoi, pour qu'il tombe dans PC, il faut des coquins, il faut des causes mentir, il faut des différents qui sont en PC. Mais connais qui, si Allah Rabbu Amin fin ordonne nous pour faire 5 fois la masse, nous ne pouvons pas faire 5 fois la masse.
Appel PC, pas appel PC ça. Mais il y a d'autres qui sont aussi appel PC. Comme ça même, il nous donne nous pour garder Rosa, nous pas garder Rosa. Ça aussi PC. Il nous donne nous pour donner Zakat. Nous avons moyen pour donner Zakat, nous pas donner Zakat. Ça aussi PC. Ou il y a moyen pour faire Hajj ou pas faire Hajj. Ça aussi PC. Ou désobéir aux parents. Ça aussi PC. Alors, tout ben, l'autre qu'Allah Rabbi Amin vient donner, qui ne pas pratiquer, ça aussi il compte comme PC. Alors, avant les mois de Ramadan, nous bisez fini, corrige ça man manque moi là, tout bon phrase qui nous va faire, nous commence pratiquer, nous commence faire aller, et tout bon haram qui nous l'a dans, qu'il soit petit ou bien grand, nous bisez fini, sorti début de semaine PC là, afin que quand les mois de Ramadan fini, alors nous fini être pardonné par l'eau d'Allah, et définitivement. Un dimanche qui finit qu'il est pardon à Allah. Quand les mois de Ramadan viennent, sa façon qu'il peut accueillir les mois de Ramadan n'est pas pour pareil comme un dimanche qui pas fini gagner pardon à Allah. À cause ça même qu'il trouve parfois. Et dans dimanche, même les mois de Ramadan viennent, il continue à persister dans mon PC, il continue à persister dans mon manquement d'affarance et il continue à persister dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois nous trouvons drôle. Comment est-ce qu'un dimon qui connaît valer Ramzan, malgré ça, il ne peut pas profiter avec sa moi-là, il ne peut pas bénéficier avec sa moi-là, c'est parce que sa dimon-là, ce ban PC, il vient un barrier entre lui et pour lui profiter avec sa grand moi, qui Allah Rabbi Amin, fin d'un grand valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui raison il fin d'un les mois de Ramadan sa valeur-là? Il fait nous connaître le Coran. Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra bajwa lidhi faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat là il fait nous connaître il dit les mois de Ramadan dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait faire descendre le Coran. Ça veut dire la descente des Coran, c'est ça qui fait faire les mois de Ramadan gagner valeur. À cause que Allah Rabbi Amin fait descendre le Coran dans ce mois-là, ce mois-là n'est gagner valeur. Ce mois-là n'est gagner valeur. Et raison qui fait Allah fait descendre le Coran dans ce mois-là, c'est Houdel Linnas, c'est un guide pour les gens. C'est-à-dire que les gens pratiquent tout ce qu'il y a dans le Coran. Tout bon l'enseignement qu'il y a dans le Coran, Allah Rabbi Amin, il fait mettre la guidance là. Qu'il y a dans le Coran? Le Coran est là, adosé à Allah. N'a pas commis de shirk avec Allah. Obéis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Obéis aux parents. Assieds bien avec tout le monde. Assieds bien avec voisin. Ça est dans le Coran. Fais ce qui est bon, abstenir de ce qui est haram. Ça est dans le Coran. Alors, celui qui pratique bon l'enseignement qu'il y a dans le Coran, avec faire namaz, donner zakat, faire Hajj, garder tout ça là, c'est une ibadat qui vous a fait. Celui qui prend sa Coran là, et il pratique ce qui est là-dedans, alors il prend sa guide qui a la fin de descendre pour du monde en entier, alors il marche sur la guidance, et il y a une explication claire qui montre où la droiture, ça se met de la guidance, et pour faire différencier entre fausseté avec la vérité. Le Coran est trop simple. Pour comprendre qui est un seul créateur qui finit créer tout, en retour, tout le monde, sans exception, bizarre adore juste sa un créateur là, et sa créateur là n'est pas pareil que moi, personne, n'est pas un créateur, mais au contraire, un créateur, et sur une capacité qui est là, peine à personne qui a une capacité pareille que moi, lui, alors, c'est lui qui fait sa dévoile là, il adore juste sa créateur là, et comment pas adore lui? Il adore lui à travers, c'est qui? Allah Rabbi Amin, des créateurs, il fait enseigne ce man prophète, ce man messager pour montrer, lui montrer aux autres comment pour adorer. C'est lui qui adore les créateurs, les vrais créateurs. Parce que, ben prophète, ben messager, fin enseigner, alors ça dit, là, il a la droiture. Et il finit trop fausseté devant les autres religions. Un dimon qui peut adorer roche, ou bien peut adorer pied, ou bien peut adorer ferraille, ou bien peut adorer du monde mort, définitivement, il n'est pas pareil comme un du monde qui peut adorer les vrais créateurs. Ou bien du monde avec un qui peut étendre, pas capable de faire rien pour lui-même. Ni il est capable de dire qu'il dit tout, ni il est capable de dire qu'il dit bien, ou bien du monde avec lui qui peut faire pour. Non, c'est Allah Rabbi Amin.
C'est lui qui est la capacité de tout chose, c'est lui qui, ni même qui donne nous tout chose, ou du mal avec lui, ça il a la logique tout là-dedans. Alors c'est ça l'islam. L'islam enseigne pour qui ou adore sa vraie créature là, et à travers le Coran, l'enseignement, il est trop clair. Pour nous comprendre que ça c'est la vérité et le reste tout man, qui chose qui fausse. Et dans même, ayat Allah Rabbu Amin, dans la finition, il dit Faman shahida minkum shahra fa yasum. Qui vient nous garder rosa dans les mois de Ramadan, ne pas garder rosa devant les autres mois comme un rosa faras. Allah dit Faman, n'importe qui s'en là, à cause qu'Allah Rabbu Amin vient descendre le Coran dans les mois de Ramadan, alors qui, celui qui témoigne ce mois-là, comme il témoigne, il garde rosa, c'est rosa, qui faras. Un pilier dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans les mois de Ramadan. Il y a d'autres qui sont même assez pour nous comprendre. Qui a été valeur, ce mois-là et non. Allah fait choisir ce mois-là pour descendre sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir ce mois-là pour nous garder rosa. Pour nous garder rosa, un pilier dans l'islam. Alors, ça même montre nous qui nous rappe, qui a été valeur, fait donne ce mois-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand sa moi là tu es venu, avec contentement, il se fait accueillir. Il dit Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak. Les mois de Ramadan sont venus, un mois béni. Quand nous disons un mois béni, ça veut dire tout ce moment, chaque minute, chaque seconde qui est là dans les mois de Ramadan, qu'il soit dans la journée ou bien dans la nuit, ce mois là en entier, comment la ligne paraît. Jusqu'à l'autre la ligne paraît, ce mois-là en entier, c'est un mois Moubarak, un mois béni. Tout ce qui est ouvert, et n'a plus valeur, qui d'abord les autres mois. Automatique. Qui quantité? Pas mentionné dans aucun hadith authentique. D'abord un hadith qui fait mentionner, qui soit disant, il soit 10 fois plus. Allah Rabbu Amin, il n'a pas fait mettre aucune limite. Pas dans aucun hadith authentique. Qui dit qui quand c'est fois plus, mais c'est mort définitivement une action qui Moubarak, qui allait mettre sa bénédiction là-dedans, lit pour automatiquement beaucoup plus et n'a plus beaucoup valeur, qui n'importe qui va en action, à cause même qui, ben on a un drôle, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait connaître, lui dit Umratun, fi Ramadan, ka hajjin ma'i. Un umrah qui vous fait dans les mois de Ramadan, lit comme si on fait un hajj ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un umrah. Libin, dans les mois de Ramadan, en dehors de Ramadan, vous gagnez récompense un umrah. Mais dans les mois de Ramadan, si vous gagnez l'occasion de faire un umrah, vous gagnez récompense comme si on fait un hajj ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça même suffit pour faire vous gagner l'idée. Qui quantité ibadat et n'a plus valeur dans ce mois-là. Comment est-ce que quand ce mois-là vient, nous faire paresse, nous perdre des temps dans ici, dans là-bas, et nous pas profiter avec ce mois-là. Définitivement, celui qui vient qu'on valeur de ce mois-là, il n'est pas pour laisser ce moment-là traverser, excepté qu'il peut essayer de bénéficier avec chaque minute, chaque seconde qui est là dans ce mois-là. Le mois de Ramadan en lui-même, c'est un mot qu'Allah Rabbu Amin fait faire ben mu'min dans le premier la guerre qu'ils ont fait participer ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier la guerre de l'islam fin énorme lieu dans les mois de Ramadan. Et dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire ben musulman faire victoire le jour de l'ennemi. Les mois de Ramadan, c'est un mois de victoire. Et moi, quand je suis musulman, qui je dis, man, tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es Dieu, tu fais Dieu faire victoire aux gens de l'ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue vers ce faveur, le bon musulman, pour je faire victoire aux autres plus grands ennemis. Le plus grand ennemi qui appelle Shaitan. Shaitan qui, nuit et jour, il fatigue ben du monde, pour faire du monde désobéir à Allah, pour faire du monde respect et puis ibadat à Allah. Sa grand ennemi là, dans les mois de Ramadan, get comme Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ce man esclave pour faire victoire au lit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ida kana awwalu laylatin min shahri Ramadan, quand arrive première la nuit
dans les mois de Ramadan, Soufidati Shayatouin, wa maradatul djinn. Allah subhanahu wa ta'ala li fait en scène ban shaytan et ban djinn qui solide. Ban shaytan avec ban djinn qui solide, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait li en scène zut. Wa ghulliqat abwaabun nar et fait ferme ban napot différents fer. Falam yuftah minha babun, aucun napot paraît ouvert. Wa futtihat abwaabul jannah et fait ouvert ban la porte Jannah. Falam yughlaq minha babun, aucun la porte paraît fermé. Dans ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous beaucoup de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, nous l'ennemi qui nuit et jour fatigue nous là, Allah Rabbul Amin enseigne pour nous. Ça veut dire pour faciliter nous, pour qu'il nous fait ibadat Allah tranquillement dans ce mois là. Si vous trouvez un djiboun, même dans les mois de Ramadan, il y a encore toujours restreint depuis l'obéissance à Allah, imaginez qui constate, il y a une obéissance à Shaitan, même qui Shaitan, pas là, pas fait partie de lui, il continue d'obéir. Mais en général, quand nous guettons la situation musulmane en général, dans nos pays, en dehors de nos pays, partout, on trouve vraiment l'effet qui était. L'effet qu'Allah Rabbi Amin n'y enseigne sa ban shaytan. Ban djiboun qui partit quand il levé pour namal fajar. Pas juste pour namal fajar qui veut lever. Je commence à lever pour faire tahajjud. Ban djiboun qui jamais tu veux trappe Quran. Alhamdulillah, commence à trappe Quran. Ban djiboun qui namaz, tu veux dire rien, ça fait lourd pour eux. Mais alhamdulillah, on trouve namaz, pas juste ce qui faraz, mais ce qui n'a fait ce tahajjud, tout je commence à faire. Alhamdulillah. Tout cela, c'est faveur Allah. L'Oban du monde dans les mois de Ramadan, quand je gagne l'occasion, quand Allah Rabbi Amin fait une enceinte sa man Shaitan là, alors du monde qui est libéré pour se capable faire ibadat Allah. Et en même temps, quand l'apôtre, l'enfer fermé, l'apôtre l'enfer, l'enfer l'y entouré avec ban shahawat, ban désir. Alors à cause même qu'il trouve beaucoup de monde, quand on trouve une action qui amène vers l'enfer, il est intéressé vers lui. Faire parce que ça l'enfer là il est entouré avec une petite chose qui a plaisir qui a désir qui est attirant. Alors tout le monde l'oublie conséquence quand pour faire ça va une mauvaise action là il dit ça va un plaisir qui paraît là. Alors quand il dit ça va un plaisir là il rentre sans qu'il y prend compte qu'il déjà sa plaisir là et n'a qu'été il a dit fait l'enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ferme l'enfer dans les mois de Ramadan sur la porte. Alors là, ça dit que là, il commence à réaliser. Il réalise, mais non, ça, pas qu'à faire ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala facilite encore pour qu'il restreint depuis ma désobéissance à Allah, depuis ma désir, qu'il s'est aveuglé par ça. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert ma porte de Jannah. Jannah est entouré avec ma difficulté. Alors, dans les mois de Ramadan, quand la porte Jannah est ouverte, tout ça va en difficulté là enlevé, alors il devient facile pour faire tout action qui amène ouvert Jannah. À cause de ça, qu'on trouve dans les mois de Ramadan, tout bon action qui ou propose ben, du monde pour faire, il est intéressé pour faire. Qui fait? Parce que les mois de Ramadan sont venus là, alors il est intéressé pour guetter. Il est intéressé pour rendre à Jannah, il est intéressé pour faire une action qui peut amener libère Jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre tout facilité dans ce mois-là pour faire un djimoun rentrer dans ce jannat et restreindre des bits de l'enfer. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait mettre ban ange, ban adjir, wa yunadi, munadin, ya baril khayr, akbil, oh ben qui vous l'a dit bien, venez faire du bien, et venez faire la mal, venez à Quran, venez faire soi d'accord. Vin faire tout bonne bon action. Ben ange encourage ben du monde qu'était encourage ben du monde pour faire sa bonne bon action là. Et ben a dit wa ya bar ya shar aqsir. Oh celui qui désire le mal, arrêtez. Ça veut dire le contraire qui déroulait. Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne ben shaitan, empêche shaitan faire waswasa avec vous pour faire ou faire le mal et abstenir le bien. Et mettre ban ange, ça va là remplacer pour ban ange, ben là qu'ils ont fait ça, encouragez-vous à faire du bien et empêchez-vous à faire le mal. Tout ça là, c'est pas barakat qui est dans ce mois là,
Allah subhanahu wa ta'ala li facilite tout ban du monde pour qu'il se retourne vers lui et je t'amène un joli la vie dans sa moelle. Bien doute qui demande l'abandon, c'est lui qui le signifie avec ce rose, avec ce qiyam, avec ce laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, lui pardonne tout un péché qu'il n'est capable de faire dans la vie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Man soma ramadan, imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man qama ramadan, imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man qama laylat al-qadr, imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » C'est lui qui arrose à ramadan, avec iman, qui s'arrose à l'œil obligatoire, et qui vient à l'espoir qu'Allah Rabbi Amin pour récompenser pour sa bonne rosa qu'il veut garder là, Allah Rabbi Amin pardonne tout bon péché qu'il ne fait pas derrière. C'est lui qui fait qiyam, c'est dans les mois de ramadan qu'on nous connaît, et il a un ibadat spécial qu'il nous va faire régulièrement. C'est-à-dire après la mort des gens, nous fait qiyam. Alors ce qiyam là, il est important. Et quand nous ayons un beau temps, pareil, comment on comprend rose à ramadan, c'est au prend depuis les premiers jusqu'à les 30 ou bien les 29, ou bien quand tout rose à l'air appelé lit, ou bien quand rose à ramadan, comme ça même, kriyam ramadan, veut dire que t'es. Ou comment se fait kriyam depuis les premières nuits, ou aller même jusqu'à que t'es. Jusqu'à les 29 ou bien les 30. L'air là qui appelle que t'es. L'air là qui appelle lit kriyam, là il a tout le cadre. Alors c'est lui qui fait kriyam, là il a tout le cadre, pareil. Allah Rabbi Amin, il pardonne tout un péché qu'il ne fait pas derrière. C'est lui qui fait qiyam. Laylatul Qadr. Ça existe Laylatul Qadr. Oubliez les mois d'annoncer. C'est les récits faits et faux, dans la 10 dernières nuits là, dans le commencement, il ne rattrape. Mais dans la 10 dernières nuits, il faisait faux, il ne rôde Laylatul Qadr. Et il fait qiyam. Dans la 10 dernières nuits là, là aussi, il regagne sa sens encore une fois pour qu'il y ait pardonné. À s'imaginer, c'est un du monde qui garde tout ce rose. Il fait tout qu'il et il droit de l'aïla tout le code. C'est-à-dire ce sens qui était multiplié par trois fois pour qu'Allah Rabbi Amin pardonne des semaines, pardonne des semaines pécées. Tout cela, c'est une faveur spéciale qui, sans moi, des promotions, Allah Rabbi Amin lui pardonne man du monde et lui donne une récompense énorme. Connais, qui dans sa moi-là, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie nous de nous pour garder rosa. Rosa qui fera sur nous, ce valet est beaucoup plus qu'il y a une rosa dans le film. Mais connaît qui une rosa qu'un du monde garde, sa rosa là, sa récompense qui, sa du monde là, il mérite pour gagner auprès d'Allah, c'est une grande récompense qui existe, Allah tout seul connaît. Tout ibadat. Et il y a une quantité récompense qu'Allah Rabbi Amin fait mettre. Mais rosa, Sanala, c'est un ibadat qui se récompense peine à limite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu amal ibn Adam yudwaaf. Tout action qu'un enfant Adam fait, il multiplie. Al hasanatu ashwam thaliha. Un bon action, il multiplie par 10. Il a 700 yudwaaf. Il augmente jusqu'à 700 fois. Un bon, il sort 10. À 700, il y a du monde qui a 10, il y a du monde qui a 100, il y a du monde qui a 150, il y a du monde qui a 670, 200, il y a les mêmes jusqu'à 700. Qal Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a saum, excepté rosa. Fa inna huli, ça n'a l'air pour moi. Wa ana zibihi, moi qui donne récompense au la. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Il fin quitte ce désir et nourriture à cause de moi. C'est-à-dire quand du monde fait sacrifice. Depuis son désir, c'est depuis tout mon désir, qu'il soit avec son madame ou bien des autres PC. Et aussi depuis ma nourriture. Pendant rosa, il reste d'abstenir. Alors, à quoi il fait à cause d'Allah, Allah Rabbi Amin prend ce sang pour donner récompense au là. Si des autres actions qui vous fait, vous gagnez 10 à 700. Vous pensez qu'Allah prend ça aux astères. Vous gagnez moins que 700 ou plus que 700. Définitivement, il vaut beaucoup plus qu'il s'est. Il vaut beaucoup plus qu'il s'est sans. Alors, paix n'a aucune limite des récompenses. Le rosa, un rosa qui a du monde gardé. C'est un mois rosa qui a du monde gardé. Qui, quand c'est récompense, Allah subhanahu wa ta'ala peut réserver pour nous.
Et dans ce même mois-là, Allah Rabbul Alamin il fait mettre la nuit spéciale qu'appelle Laylatul Qadr. Juste dans les mois de Ramadan, qu'il y a ça. Et il y a beaucoup de monde exagéré dans la nuit d'aujourd'hui là. Je vais te donner une carte de valeur qui soit dans Sabbe Barat. Qui Sabbe Barat? Rata. Sabbe Barat, c'est Laylatul Qadr. Et la nuit qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit Inna hadha shahr, qad hadarakum. Les mois de Ramadan finissent avec eux. Wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Dans ce mois-là, les mois de Ramadan, et dans la nuit, qui est beaucoup plus meilleure que mille mois. C'est la nuit plus meilleure. C'est-à-dire beaucoup plus que mille mois. Mille mois-là, c'est plus que 83 bananes. Ça. Man hurimaha faqad hurim. Celui qui vient d'être privé. De sa faveur là, ça veut dire, sa 10 la nuit là traversée, il n'y a pas de rôle de Laylatul Qadr, il n'y a pas de gain de Laylatul Qadr, alors il finit privé de ça, alors faqad hurima al khayra kullahu, il finit privé de tout du bien. C'est du monde, il jeûne avec les mois de Ramadan, il finit sur Ramadan, il n'y a pas de gain de Laylatul Qadr, ça veut dire, ça la nuit là vient traverser, ni d'une faire salat, ni d'une faire, ni d'une faire istighfar, ni d'une faire Quran, ni d'une faire doua. Non, il va faire de ça la nuit là. D'une perdue ça la nuit là. David, comment nous dire. Ça y est, il finit privé. Allah, Rabbi Amin, il finit privé. Il finit privé de tout du bien. Voilà, yuhramu khayraha illa mahroum. Personne ne peut être privé de ce du bien excepté un mahroum. Un mahroum, c'est Allah qui privé de ça. Ça y est, qui quand t'es pas bon, t'es pas bon. Pour qui, parmi tout ça du monde qui est dans le monde, Allah fin prive toi depuis que tu es là, il a tout le code. Si l'année qui fin précéder, fin traverser, ou pas ne prendre compte, là, il a tout le code. Attention, qui est mahroum, et qui, sa qualité là, il n'est pas pour moi du tout. Parce que Allah fin prive vous de tout du bien. Si il prive vous depuis ben du bien, au dunya, qui vous attend du bien dans l'akhirat? C'est un dimon, Allah Rabbi Amin fin privé depuis ben du bien dans la dunya. Est-ce qu'il est akhirat? Il peut être privé depuis du bien ou bien depuis ce qui n'est pas bon. Définitivement, il peut être privé. Si dans la dunya, il est privé depuis du bien, dans l'akhirat, il peut être privé depuis un plus grand du bien. Et qui peut sauver dans du monde qui est privé depuis ben du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit dans la dunya ou bien dans l'akhirat. Les mois de Ramadan, encore une fois, mon frère, mon sœur, citant certains mois qui est un grand valeur pour Allah Rabbul Amin, c'est lui qui lui-même lui donne sa mois là, sa valeur là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa layla. Dans chaque jour et nuit dans les mois de Ramadan, et il y a un esclave qui Allah libère de mes différents pères. Tous les jours, toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala parmi Benjimun. Ni choisirait, ni libérer les de modifier l'enfer. Qui veut dire ça? J'autre même avec cette action qu'ils ont fait, j'autre mérite Jannat ou bien j'autre mérite l'enfer, j'autre mérite l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par ses efforts, sa sacrifice, qui s'est dit peut faire dans les mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a pitié pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala libère lui de modifier l'enfer. Et une fois qu'Allah Rabbul Amin libère un monde de modifier l'enfer, ceci, l'éclair après Ramzan, ça. Ceci, qu'Allah Rabbi Amin finit libérer, il finit clair après Ramadan. Si vous trouvez un djibun avant Ramzan, c'est un djibun qui participe à son ibadat, il s'y remplit avec désobéissance, Ramadan traverse avec lui. Il s'en enseigne un seul coup. Il commence à faire 6 bonnes actions. Et dans un grand sens, ce djibun-là, Allah Rabbi Amin finit choisir lui parmi qui était. Parmi ben, qu'Allah Rabbi Amin finit libérer de modifier l'enfer. Quand Allah Rabbul Amin libère un djibun de modifier l'enfer, après Ramzan, il n'est pas pour être tout namaz. Après Ramzan, il n'est pas pour être retombé dans toute bonne désobéissance. Après Ramzan, il sort sur la vie et il vit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va bien là, mon frère et ma sœur, pas gagner dans tout mois ça. Ça, gagner dans les mois de Ramadan. Alors quand les mois de Ramadan viennent, parmi les droits qui vous demandez, et un peu de faveur encore, qui vous gagnez dans les mois de Ramadan, Allah Rabbi Amin d'y accepter vos droits. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Li kulli abdin minhum da'watun mustajaba. »
Ça que c'est invité à Boyman là, c'est Boyman qui est libéré là. Man qui libéré, les bisous en fait là. Et il a un droit pour lui qui est exaucé. Alors, pas une bonne doigt, tu m'en dois avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère nous depuis différents, l'enfer, et Allah Rabbi Amin, aide nous pour nous rester dans son obéissance, qu'à la mort, nous sommes avec nous, et accepter de nous tout bonne, bonne action qu'il nous fait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, wa inna li kulli muslim da'watun yad'u biha fa yustajabu lah. Chaque musulman, il a un droit qu'il fait, qui sait être exaucé. C'est dans les mois de Ramadan, tous les jours. Ben, le musulman il a un droit qui est exaucé, qui est accepté auprès d'Allah. Alors, profitez de ce mois-là pour Ujiman maximum droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jiman Allah Rabbul Amin pour qu'il y pardonne nous, pour qu'il y... Si nous nous faisons le sodin, ce qu'Allah m'a dit avec nous, pour qu'il y libère nous des petits faits d'enfer, pour qu'il y donne nous jannat, pour qu'il y protège nous des petits faits d'enfer, si Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous, alhamdulillah. Nous pour parmi man qui vous fait succès les jours du Qiyama, qu'Allah Rabbi Amin, il fait nous profiter avec sa rappel là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous donner valeur. Sa grand mois béni, qui appelle les mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous joindre avec sa mois là, plusieurs fois dans la vie. Et il fait nous profiter maximum avec lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tout ban ibadat qui nous fait. Et comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours aide nous pour qu'il nous fasse une bonne action. Jusqu'à la mort, il est avec nous et il récompense tout pour ce temps-là. Et il fait nous restreindre depuis pas de mauvaises actions et il protège nous depuis différents enfers. Akulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.